We are here today in the famous Monaco Yacht Club to have a look at the world premiere of the first hydrogen-powered yacht that goes into production, the HYNOVA 40. Many countries announcing their hydrogen programs and investments of the EU Union funding is at 7 billion euros at the moment, and France also announced the Hydrogen Nation. So this might just be the starting point of a race between different propulsion and drive system. So this is going to be a very interesting time ahead of us. With me is HYNOVA Yacht's founder Chloé Zaied, and today she's introducing to the world her project, which is the first hydrogen-powered motor yacht going into production. It's been a year since the Monaco Yacht Show 2019 when we've last met, and then this was just an idea in your head, a vision of yours of the sustainable yachting. So how did you realize that so fast? Alors merci Cornelius d'abord hein, d'être venu jusqu'ici pour m'interviewer. Of course. C'est gentil. Effectivement, tout est allé très très vite puisque j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont rendu ce rêve possible, et on a pu du coup lancer la production du premier bateau sur lequel on se trouve actuellement en février 2020. Wow. Incroyable. So that was really fast. So Chloé, tell me, why did you start this project? Alors ce projet, en fait, il commence par ma propre histoire, puisque je suis capitaine de bateau et j'ai la chance de travailler dans le parc national des Calanques. Et j'en avais clairement marre de devoir choisir entre respect de l'environnement et profiter des joies de la mer et du bateau à moteur aussi. Donc pour moi, il fallait vraiment un projet qui puisse concilier les deux. Donc voilà, c'est pour ça qu'HYNOVA, en fait, à la base, c'était vraiment pour moi une envie d'avoir un bateau qui fonctionne proprement. Je ne crois que je ne pouvais pas rêver mieux qu'un bateau qui ne recrache que de l'eau à la sortie, puisque le bateau sur lequel nous sommes, donc est le premier bateau HYNOVA, et à la sortie, il ne ressortira que de l'eau. And how did you start it? I mean, this must have been very complicated. So tell me, how did this take off? Exactement. En fait, initialement, j'avais juste ce désir de créer un bateau le plus propre possible et le moins impactant possible pour l'environnement. Donc, j'ai commencé mes recherches et c'est là que j'ai rencontré les bonnes personnes avec Energy Observer Développement et pareil avec mon architecte naval qui avait vraiment envie de créer un projet pareil et de faire partie aussi de cette aventure incroyable. Et pareil du côté financier, puisque c'est aujourd'hui un projet qui est totalement financé en fonds propres. Du coup, c'est mon associé aujourd'hui qui a pris à sa charge tous ces investissements, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Donc, c'est pour ça qu'on a pu créer un bateau très, très rapidement. And why did you choose the hydrogen drivetrain and not solar and batteries or maybe a hybrid diesel-electric propulsion system? Why is hydrogen for you the future? Alors, je pense qu'il y a différentes réponses qui sont valables pour cette question. La première étant que le système à batterie aujourd'hui a atteint ses limites, que ce soit au niveau environnemental ou même technique, puisque quand vous devez mettre 12 heures à recharger ou que votre énergie provient de stations nucléaires, ça me paraît pas très écologique, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, moi l'objectif c'était vraiment que ce bateau soit le plus propre possible du début à la fin, en fait, sur toute la chaîne, qu'elle soit de production, de distribution ou même de consommation à la fin. Donc pour moi, l'hydrogène était la seule possibilité pour avoir justement un bateau qui soit vraiment propre dans son utilisation, donc c'est-à-dire dans son usage à la mer directement, mais en plus qui soit porteur d'une vision encore plus large, puisque on parle d'énergie verte aujourd'hui, on parle d'hydrogène vert, donc une énergie qui est absolument propre. So give me some facts and figures about the boat. How fast is it and what's the acceleration, or what is the most important fact? Maybe the range, the autonomy. Tell me more about... Bien sûr, donc l'autonomie, c'est une question qui revient très souvent, puisque justement aujourd'hui, pourquoi le bateau électrique ne représente qu'un pour cent du marché mondial? C'est parce que l'autonomie est beaucoup trop faible en fait, par rapport aux besoins que l'on a aujourd'hui et par rapport au fait qu'on n'est pas prêt à faire des concessions sur notre confort et qu'on veut avoir des autonomies cohérentes. Alors en fait, il y a différents modes de fonctionnement de ce bateau, du coup différentes autonomies. Pour faire court, à vitesse basse, on va avoir à peu près 90 000 nautiques d'autonomie. Et à grande vitesse, donc vitesse maximale du bateau 26 nœuds, on va avoir 30 000 nautiques d'autonomie à peu près. Sauf qu'ensuite, je vais ralentir, repasser dans le mode numéro 1, le mode numéro 1, ou m'arrêter directement. Et mes bonbonnes d'hydrogène et ma fuel cell vont prendre le relais pour recharger de nouveau mes batteries.
Ce qui veut dire que je vais pouvoir faire ça deux fois et demi, en fait. Donc, c'est là que le système hydrogène est très intéressant, puisqu'on arrive à atteindre une autonomie qui est très acceptable par rapport aux utilisations qu'on en a aujourd'hui. And what other models will you build? Will there be a bigger one, or a faster one, or one with a coupé version? What is your plan there? Alors, pour l'instant, puisque je vais vous parler au présent, hein, puisque l'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait, évidemment. Of course, yeah. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est sortir ce modèle, HYNOVA 40, avec différents aménagements possibles, avec une version un peu plus open et une version un peu plus cossue, confortable. Mais effectivement, j'aspire à faire d'autres modèles d'HYNOVA, peut-être un peu plus gros, certes, mais aussi un petit peu plus exploration. Okay. Justement pour les endroits un petit peu reculés et qui sont protégés et qui ont besoin d'avoir des bateaux comme ça, mais peut-être un petit peu plus petits sur certaines interventions. And I mean, this could also very well be just a base for anything, right? So this is the base boat and you can have it as a tender or as a rescue vessel or as a exploration vessel or also as a stylish open boat, right? So this is just the technical base right now. Exactement. Aujourd'hui, ce bateau-là, l'HYNOVA 40 pieds, je pense que justement, c'est un type de bateau qui peut être exploité de différentes façons. Donc la première, c'est le charter à la journée potentiellement, mais ensuite comme tender sur des super yachts ou bien évidemment pour aller explorer justement des endroits un petit peu plus préservés dans la planète avec zéro émission toujours, puisque c'est clairement l'objectif de préserver tout en allant explorer. And I mean, don't we have a bit of a hen and an egg situation? Because, of course, now you have the first boat with hydrogen and everybody's going to cheer and applaud and say, wow, great, but where can I refuel? So what about the fuel stations? Tout à fait. Effectivement, bah, c'est la question que je me suis posée aussi avant de créer ce bateau-là. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était l'histoire de la poule et de l'œuf. Vous savez, tant qu'il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas de station d'hydrogène. Et tant qu'il n'y a pas de station d'hydrogène, il n'y a pas d'utilisateur. Donc, quelque part, j'ai mis fin à ce rituel qui tourne en rond, à ce cercle vicieux, en fait, puisque j'ai créé le premier bateau. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'apparaître sur l'approvisionnement. Donc, il faut savoir que nous aurons des solutions concrètes d'ici l'été 2021 pour pouvoir approvisionner ce premier bateau, mais aussi les autres bateaux qui verront le jour prochainement à l'hydrogène. Once you mentioned to me that you're very much into the sustainable materials to build the boat, that you want not teak deck from teak wood, but actually bamboo wood and all this stuff. So tell me more about these sustainable materials you've used or you're planning to use on this project. Alors effectivement, là sur le premier bateau, on est sur du composite traditionnel, hein, donc de la fibre de verre, pour des raisons de délai essentiellement, puisqu'on voulait être présent très rapidement sur le marché. C'est ça aussi, être pionnier, hein. Il faut aller plus vite que les autres. Maintenant, moi, j'ai absolument dans l'idée, là, nous sommes en train d'étudier la fibre de bambou actuellement pour voir s'il est possible de faire du composite en bambou, notamment pour tout le pont. J'aimerais qu'on puisse avoir un pont en bambou. Et très prochainement, sur ce bateau-là, nous aurons un hardtop déjà en fibre de bambou avec des résines biosourcées. C'est hyper important, comme je le disais, c'est pas juste la motorisation, il faut aller au bout et être cohérent de la démarche. Du coup, il faut aussi utiliser des matériaux qui soient le moins impactant possible pour l'environnement et le plus durable possible aussi. You're talking about the whole life cycle, basically. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment tout le cycle de vie du bateau qu'on essaye de prendre en compte aujourd'hui. And what's your personal vision of, you know, how can we approach this problem of pollution and what's the next steps in this hydrogen society? So how do you see this? Is it happening right now or is it just we're talking about a prototype, it's nice to have and then we return to our daily routines? Oh non, j'espère pas. Alors honnêtement, ma vision aujourd'hui, elle dépasse largement le produit fini, donc le bateau. Pour moi, c'est aussi, il faut prendre conscience qu'on est en train de vivre une période où il faut changer nos approches, il faut changer nos pratiques. Tout en arrivant à concilier notre confort de vie, parce que moi aujourd'hui, HYNOVA n'est pas dans un discours moralisateur en disant il ne faut plus faire de bateau, bien au contraire, on peut continuer à faire du bateau, mais avec une approche plus saine pour l'environnement. Aujourd'hui, en fait, je suis très confiante concernant l'hydrogène. Il y a un an, je savais un peu moins ce qui allait se passer. Aujourd'hui,
On est 10 jours plus tard, les annonces du gouvernement français avec les 7 milliards d'euros annoncés pour la filière hydrogène. Wow. Donc, je suis très, très confiante sur le sujet et ça ne fait que me confirmer que j'ai pris la bonne direction et qu'il faut pousser. Et je me place personnellement comme ambassadrice de l'hydrogène vert. Et HYNOVA est un vrai accélérateur pour la création de cet écosystème autour de l'hydrogène. So, the last question, when can we buy one? Maintenant, tout de okay. suite, je vais sortir le bon de commande. Très bien. Non, effectivement, la commercialisation a déjà commencé, hein, à notre grande surprise, puisque le premier bateau n'a pas encore été mis à l'eau pour des raisons de réglementation et le Covid qui a retardé quelques livraisons. Mais sinon, oui, le bateau a déjà commencé sa commercialisation. Donc, à partir de 2021, il y aura d'autres HYNOVA 40 qui navigueront dans le coin. Now let's have a look together at this amazing project, which also shows that it's important to start doing something and not just keep on talking about it. So, Chloé, tell me more about this fantastic project and especially about the drivetrain and all this technology that is built into this HYNOVA 40. Alors tout à fait, Cornelius, hein, comme tu l'auras compris, la particularité de ce bateau, c'est qu'en fait, c'est un bateau à motorisation électro-hydrogène. Donc, ici, l'élément qui est assez impressionnant, les trois bonbonnes d'hydrogène qui contiennent chacune 7,5 kg d'hydrogène, avec ici la platine de rechargement et de sécurité aussi. Donc là, on vient se pluguer directement ici pour faire le plein d'hydrogène et le stocker directement à bord. Évidemment, l'élément star, la fuel cell, donc la pile à combustible de 80 kW, qui a cette particularité de transformer l'énergie chimique, donc l'hydrogène, en énergie électrique, en électricité, qui va ensuite aller dans les batteries qui se trouvent à l'avant, sous les trois capots de l'avant, et puis qui vont se diriger dans les moteurs électriques de 2 × 200 kW pour pouvoir atteindre une vitesse maximale de 26 nœuds. And the engines, they are below in this compartment, correct? Exactement. Donc en fait, vous aurez vu aussi qu'il y a trois compartiments, parce que quand vous faites un bateau qui fonctionne à l'hydrogène, tout doit être séparé, donc avec la fuel cell, les bonbonnes et les moteurs qui sont ici. Donc on a 2 × 200 kW de moteurs électriques, bien évidemment, mais dont l'électricité provient justement de l'hydrogène. And the batteries, they are here in this part, right? Exactement. Ici, on a justement le compartiment batterie avec les trois capots que l'on voit ici, qui abritent les trois batteries de 44 kW chacune, de façon à pouvoir aller puiser de la puissance supplémentaire pour atteindre des vitesses de 25-26 nœuds. Et puis de toute façon, il faut savoir qu'avec un système hydrogène, on est obligé d'avoir une batterie qui fasse tampon pour aller directement fournir les moteurs. So, tell me, Chloé, here we are on a pretty standard setup for any 40 feet open day boat. We have a chart plotter, Raymarine, autopilot, fusion sound system, some switches, we have a steering wheel. But here is something I've never seen before in a boat. So, this is labeled REX-H2, so tell me more about this. Alors tout à fait, tu l'auras compris, les équipements sont assez basiques à l'origine. La particularité, c'est cette interface-là, donc le REX-H2. C'est le nom de la fuel cell qui est ici dans mon bateau. Et c'est un algorithme en fait qui va récolter beaucoup de données qui sont très importantes, notamment pour le safety. Mais pas uniquement, c'est aussi important pour l'opérateur, l'utilisateur, qui va voir en direct si toutes ces... données sont normales déjà, à commencer par la température, la pression, etc. Mais aussi, de façon plus pratique, on va voir par rapport à ce qui nous reste en hydrogène dans les bonbonnes, la distance qu'on va pouvoir parcourir avec cet hydrogène et il va nous donner la vitesse idéale pour pouvoir parcourir la destination, pour pouvoir atteindre la destination à laquelle on veut aller grâce à l'hydrogène qui nous reste embarqué. I hope you enjoyed watching this video. And if you're interested on how to seriously go sustainable, then there are three ways you can actually do that. So number one is if you have an existing boat, you can fit the hydrogen range extender, which basically replaces the existing generator without the annoying fumes that come out the exhaust and of course with zero noise. There is also a land-based model that you can fit into buildings to power up complete villages or buildings. And then number three is that you can build your very own hydrogen-powered boat. And that's really my vision, to build a charter catamaran around 30 meters long with a sustainable propulsion system, hydrogen system with sails that earns its money in the charter in the Caribbean and in the Mediterranean,
during the two seasons. And basically, it's a lighthouse project to show what is feasible, still having the super yacht feeling, all the comfort on board. That's my personal vision, and I would very much like to help a brave and visionary owner to realize such a project. I'm Cornelis Kistler from Breeze Yachting, and thanks again for watching.